Bonjour, bonjour. Alors, je me trouve devant l'aire de camping-car de Port-Vendres, où nous venons de passer déjà 2 nuits. Et je vais commencer par vous donner quelques petits faits dessus, juste pour savoir. Donc, ça se trouve un petit peu à l'extérieur de Port-Vendres, mais en gros à, on va dire, 10 minutes de marche de la ville. Et juste à côté, il y a aussi des petites balades à faire, qui sont très sympas. Et c'est une aire qui est qui a un petit peu d'ombre à un moment de la journée, à peu près pour tous les emplacements. Donc ça, c'est bon à savoir. Il y a une partie qui a carrément des arbres, où donc il y en a un petit peu plus. Il y a une autre partie qui est un petit peu plus dégagée, que vous allez voir tout à l'heure, mais qui, selon l'angle du soleil, vous allez voir qu'il y a, il y a un peu d'ombre aussi. Donc ça, c'est bon à savoir. Une chose qu'il faut noter, c'est que en fait, vous payez pour la nuit, en gros, et il y a un officier de police qui va venir récupérer les 8 euros à cette époque de l'année. Et ça change, ça passe à 12 euros à partir du 1er mai, d'après ce que j'ai vu en ligne. Donc du 1er mai au 31 octobre, ce sera 12 euros. Et donc en ce moment, basse saison, c'est 8 euros la nuit. Et c'est une aire qui a tous les services, à part l'électricité. Donc à noter, il n'y a pas d'électricité, attention, attention. Par contre, il y a une quarantaine de places, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. On n'a pas vu de Wi-Fi ou quoi que ce soit, c'est apparemment géré par la mairie. Donc dans la zone Collioure, Port-Vendres, Banyuls, etc., d'après ce qu'on a vu, c'est la deuxième aire officielle, à part il y en a une à Collioure, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, qui a l'électricité, mais qui coûte par contre 15 euros en basse saison. Donc nous, on a décidé de venir là parce qu'on a trouvé que comparativement, finalement, ça valait quand même le coup d'être ici pour 8 euros. Dans un coin qui est sympa, et puis voilà. Donc le matin, il y a le petit monsieur qui vous toque à la porte et qui vous demande 8 euros qu'il faut payer en liquide. Bon, donc voilà pour les faits généraux, je m'éclipse pour vous montrer le reste de l'air, la vue et tout ce qu'il faut savoir. Alors ça, c'est la vue, donc c'est pour dire qu'on est quand même très près de l'eau, très bien placé. Et dans cette direction, comme je disais, à une dizaine de minutes à pied, vous êtes au port de Port-Vendres, juste au centre-ville, donc c'est très pratique. Et il y a juste un petit Carrefour Market au coin de la rue. Enfin, c'est près des commerces et tout ça. Et juste dans l'entrée, vous avez tout ce qu'il faut pour les poubelles et le recyclage. Et là, voilà, vous avez la vue sur la première partie de l'aire et l'entrée. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est assez intéressant, mais on a vu pas mal de camping-cars qui rataient l'entrée. C'est vrai que le panneau est peut-être un petit peu de côté, mais bon, voilà. Il y a des petits sacs pour les crottes de chiens. Ça, ce serait bien que tout le monde le fasse, parce que apparemment tout le monde ne le fait pas. Mais bon, voilà, il y a possibilité si vous voulez être propre. Et là, alors faut faire attention, par contre, je vais le dire, parce que il y a un petit panneau qui n'est pas très très visible. Je vais vous le montrer juste là, si je zoome dessus. Tac, 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 si vous voyez, je vais essayer de vous mettre le doigt dessus. Attendez, il est là, ce petit panneau-là, qui dit propriété privée. Donc en fait, c'est très tentant de continuer tout droit quand on rentre. Et en fait, non, il faut aller ou bien à droite. Donc vous avez quelques camping-cars ici. Et ou bien à gauche où vous avez le reste des camping-cars, et je vais vous montrer ça un peu plus près tout à l'heure. Et en arrivant tout de suite sur la droite, par contre, tac tac tac, vous avez la zone de vidange. Alors il n'y a qu'une zone de vidange pour tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là vous avez, j'ai jamais vu ces stations avant, franchement, je sais pas ce que c'est, mais bah, c'est comme ça. Là vous avez le robinet d'eau pour les WC, et là vous avez le robinet d'eau propre. Et donc là, le robinet d'eau propre, il y a un monsieur qui est venu remplir sa bouteille. Et ce que je veux noter, c'est que c'est un de ces petits embouts. C'est pas l'embout de taille normale qu'on a l'habitude de voir. C'est des boutons poussoirs. Par contre, là, il y a un jeton, mais ça marche pas par jeton. Hein. Ça marche plus par jeton, en tout cas. Et là, vous avez le trou pour les WC, quoi, si vous voulez. Et donc, on continue. Donc ça, c'est cette zone qui est peut-être, on pense que c'est peut-être un peu moins ombragé, mais en réalité, avec la colline, avec l'ombre de la colline, surtout à cette époque de l'année, vous n'avez pas le soleil tout le temps. Et donc là, ça, c'est la zone privée. Il y a un autre panneau propriété privée ici. Et donc là, faut pas y aller. Et là, vous avez le reste de l'aire, donc qui a des emplacements de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Et tout au fond, à droite, je vais vous montrer. Je vais m'avancer un peu parce que là, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Donc si par contre, Louis, vous voyez qu'effectivement, il y a des arbres. Donc là, c'est l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Mais là, ça fait pas mal d'ombre.
Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a sur certains arbres qui dépassent un petit peu, ça fait un peu juste pour les camping-cars un peu plus longs. Donc ça, faut faire un petit peu attention. Mais donc, sinon, il y a un petit peu d'ombre à certains moments de la journée ici. Et je parlais tout à l'heure à un monsieur qui est là à peu près en permanence, qui me disait qu'il y a très longtemps, ça c'était un jardin public. Alors effectivement, il y a un petit portail où il y a écrit jardin public. Bon, ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Mais par contre, il y a encore des toilettes et puis des petits robinets que je vais vous montrer, dont vous pouvez vous servir ici. Alors là, on arrive au bout de l'aire. Les emplacements sont marqués par ces petits bouts de bois là. Donc vous voyez, c'est assez bien marqué, hein, pour tous. Et là, donc vous voyez, il reste des petits restes du jardin public avec les petits bancs. Donc ça c'est sympa. Et alors là ça c'est apparemment un centre de plongée. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être fermé. Je ne sais pas si ça l'est toujours, mais donc ça c'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'air. Et donc là voilà, il y a le petit truc sanitaire, la petite maison des sanitaires. Donc là vous avez, attendez, excusez-moi, je sais pas pourquoi c'est flou. Là donc vous avez le petit robinet qui peut servir pour la vaisselle, hein, c'est assez pratique, c'est de l'eau froide. Et là donc vous avez, alors il y a un des toilettes qui est hors service, mais vous avez ces toilettes là, voilà, ça peut dépanner. Voilà. Voilà donc pour l'aire de Port-Vendres, je pense que je vous ai tout dit. Alors j'ai répété encore une fois dans la région sur le petit coin qui est tout au sud vers la frontière de l'Espagne. Il y a donc l'aire de Collioure qu'on a vue qui coûte beaucoup plus cher mais qui a de l'électricité. Il y a ici et puis bon, nous on a eu une très bonne expérience à Banyuls. En tout cas en hors saison, où on a pu se mettre sur le port, comme vous avez vu, c'était tranquille. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de trucs. Il y a pas mal de parking par contre, mais je pense que quand c'est plus la haute saison, il faut faire attention. Et bon, cette aire là, c'est le début des vacances de février ici, pour cette région. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a du monde, mais vous avez peut-être vu qu'elle est vraiment pleine. Quand on est arrivé, il y avait déjà pas mal de monde, mais c'était pas plein comme ça. Là, il doit rester juste une ou deux places. Donc c'est une aire qui va être assez populaire parce que bah, justement, il y a quand même pas grand chose autour, donc il faut le savoir. Mais bon, nous on a trouvé que c'était pas une mauvaise option. Les gens sont sympas. Bon, par contre, faut être matinal parce que le monsieur passe vers les 8h, 8h15, donc soyez prêts. Sinon, il vous verra en pyjama. Et puis ben voilà, sinon c'est pratique pour visiter Port-Vendres, c'est très bien pour visiter Collioure. On y allait en vélo, ça va très très vite. Et puis bon, on peut aussi aller à Banyuls d'ici, c'est très faisable par ses propres moyens, donc voilà. Voilà donc pour l'aire de Port-Vendres.